Donc ici, vous avez la part de l'agriculture dans l'ensemble. Mais pas oublier l'agriculture. Une case intelligente. J'ai choisi une couleur qui me sied. Si c'est rouge, je mets rouge. Si je mets rouge, je vois l'agriculture. Si vous n'avez pas de carte de couleur, vous pouvez pas gérer. Que les lignes continues représentent la nature. Après la nature de l'esprit, ça n'est que 0,9. J'ai fini ici. Le point de chute de la nature va constituer pour moi le point de départ de l'esprit. Donc je retourne mon rapporteur et je le place comme ça ici. 109. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Voici 5, 6, 7, 8, 9. Je marque un point à l'extérieur. Je prends ma règle. Et puis, je relis. Et puis, je prends la peine de commis. Les points qui viennent, je prends la peine de commis. Je vais pas dans. Les gens, l'industrie, vais les rassurer comme ça. En effet, c'est préférable d'utiliser les crayons de couleur parce que là, bon, c'est plus expressif. Voilà. Donc, c'est évident que ce qui reste représente le secteur caissière ou les services. Donc, mes services. Si je veux, je laisse les vitres ou je veux supprimer des pointillés à l'intérieur. Nous allons laisser les vitres. Et voici, en fin de compte, modèle circulaire qui montre la part de chaque secteur d'activité dans le pays en Côte d'Ivoire. Je reprends, je mets le rayon, le rayon du sec, 4 cm. Je mets le titre. D'activité dans le produit intérieur en Côte d'Ivoire. En 2011. Voici mon diagramme circulaire. J'ai construit. Si on vous demandait de construire un diagramme semi-circulaire, alors vous remplacez les 300 degrés par 180 degrés. Merci et restez-vous à la maison. Vous en avez donné très facilement.